non, mais ils sont tannants, hein? Ils sont tannants. Martin, vous avez du talent, mais vous êtes tannant. Vous êtes combien dans la famille? Il y en a combien comme vous autres de même? Je suis plus tannant que j'ai du talent. Ben, je dirais que c'est kiff-kiff. T'es bien. Vous êtes combien dans la famille? On est 7 enfants. Sept. Et 3 parents. 3 parents, 7 enfants, c'est bon. C'est pas vrai, 2 parents. Mais qui fait de la musique à part vous deux? Il y a mes sœurs aussi qui chantent. Et puis, c'est ça, il y a mon fils qui joue. Toi, joues-tu? Parfois. Il essaye. J'essaye. Non, c'est ça, on a 2 sœurs qui chantent aussi. Et puis, mais tout le monde écoute, toute la famille écoute du jazz. Ça, c'est tout poigné avec du... Vous autres, c'est la musique, parce que c'est à cause de la musique que vous êtes là, vous autres, hein? C'est à cause de la musique que vous avez rencontré Jeannine? À cause de lui. Oui. Comment vous avez rencontré Jeannine? Racontez-nous ça. Mais Jeannine était vocaliste avec l'orchestre. Elle était musicienne. Ouais, elle était musicienne. Elle avait gagné des prix. Puis elle était belle. Puis vous êtes tombé en amour avec. Elle a chanté la pomme. Elle a chanté la pomme à Arnaud. Puis vous êtes arrivés, vous autres. C'est ça. Avant de vous faire jouer une autre chanson, Philippe, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu, parce que tu es un Moses de bon musicien, mais ça a l'air que tu es comédien aussi. Ben, j'ai eu la chance de participer dans un film, un tournage qui se passe à Capelle au Nouveau-Brunswick. En tant que comédien, là? Ouais. Puis, fait que j'ai travaillé avec des grands acteurs, puis c'était le fun, ils m'ont vraiment appris beaucoup. Puis, tu n'as pas dit que tu étais le rôle principal, là? Bon, tu devrais dire ça. Ben, dis-nous ça, là. Comment ça s'appelle? C'est Samuel, ouais, c'est ça que c'est. C'est Samuel, puis, puis ça va être diffusé à Radio-Canada? Oui, en avril. Bon, alors, on va regarder ça. Et puis, dernière chose, il paraît que vous avez joué avec Quincy Jones, Arnaud? J'ai fait des jam sessions avec Quincy Jones, Lionel Hampton. Où ça? C'est à Moncton. Il avait venu avec l'orchestre de Lionel Hampton. Et puis, après le pick-up, on a été à un club. C'est appelé The Farm. Puis on a passé jusqu'à 4 heures du matin en jouant ensemble. Oh, puis comment c'était? Pour moi, c'était énorme parce que je l'adorais. J'aimais l'orchestre de Lionel Hampton. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était un gars très charmant. Il est fin. Oh, il est fin. Il est aussi fin qu'il est bon. Après avoir rencontré Arnaud, regarde ce que Quincy a fait pour Michael Jackson. Oui, hein? C'est ça. Ça avait dansé pour lui aussi. Alors, c'est une composition d'une femme de Toronto qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Lisa Kaplan, et ça s'appelle Samba Days. Thank you.
Bravo, bravo, merci. Les Mélançons, les parties de Noël, c'est chez toi, Martin, que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous faites du jazz, ben non, du rigodon à Noël? Du poutine râpé. Ça sonne comment? Ah, c'est des patates, puis du porc, puis là, on joue du jazz après ça, parce qu'on a de l'énergie. Ah, c'est pas trop lent? Vous jouez pas du jazz un peu lent avec les patates puis le pâté? Prends un sieste de 2-3 heures, puis là, on joue après ça. Toute la nuit. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la dernière pièce que vous allez faire, Arnaud? C'est une pièce d'un jeune musicien. Oui, Monsieur Hornsby. Oui. Et puis, il a écrit ça, et puis il nous a permis de la jouer pour l'émission. Bon, alors, d'accord. Alors, je vous laisse, mesdames et messieurs, avec la famille Mélançon. Merci, Philippe, Arnaud, Armand et Martin, et Laurent Roy à la guitare. Et moi, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à Une Aire de famille. Bye-bye! Thank you.